Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de God of War, évidemment, et on s'approche très grandement de la fin du jeu, n'oubliez pas que j'ai mis le commentaire! Ça fait d'office extrêmement plaisir, et vous inquiétez pas, il y a aussi Dead Space, on nous dit rien, ça va arriver, chaque chose en son temps, je fais juste en ordre de préférence de la part des gens, ce qui est totalement normal, puisque, bah mine de rien, une vidéo 4K 60 FPS, ça demande beaucoup de boulot! Je suis là. Je ne veux plus marcher. C'est un tricheur. Qu'est-ce qui nous attend à cette étincelle de la création? De la magie, des trucs primordiaux. Avec ça, tes lames, mon cœur, tout ira bien. Je vais grandir, écraser des choses. Ça va vous plaire. Que se passera-t-il quand tu changeras? Aucune idée. Je ne serai plus moi. Mais comment seras-tu? Comment le nouveau toi saura quand attaquer Asgard? Tu as le corps. Non? Oui. Alors tout va bien. Ah oui! Bien. La voilà. On est carrément dans les astres. De la création. C'est splendide. L'étincelle de la création. Rendez-vous là-bas. Tout semble trop facile. Odin sait que nous avons le Gellerhorn. Il sait que tu as le masque. Après avoir tué Brock, il savait qu'on chercherait Surt pour déclencher cette guerre. Mais quel autre choix avons-nous? Aucun. Il sait aussi cela. Bizarre. Bizarre, d'accord. On dirait que tout ceci n'est qu'illusion. C'est bon. Ok, là, y'a rien à faire. On dirait... Eh, c'est beau, hein, ça, merde. Et un jeu entièrement comme ça dans l'espace et tout. Oh là 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 là. Et voilà. Et Sinmara, ne devrait-on pas lui en parler? Non. Cela lui ferait trop de peine. Plus que d'ignorer ce qui t'est arrivé? Aimer quelqu'un demande parfois de choisir le moindre mal. Ça n'a aucun sens. Promettez-moi de ne pas l'approcher. Tu as notre parole. Surt, est-ce que te transpercer avec les lames suffira à créer ce nouveau toi? Le cœur de Sinmara est froid. Merveilleusement froid. Ton père détient désormais mon feu dans ses lames. Si ce feu se mêle à elle en quantité suffisante, cela devrait marcher. D'accord. Ok. Eh bien... Approche. Plus cher. Mon feu, mon cœur,
Combien de temps tu crois que ça va prendre? Les Valkyries! Odin, tu les as envoyés! Ah! Ok. Tiens fort! Oh la vache! Ok. 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 C'est quoi ça? Waouh! J'ai besoin d'aide! Ok, j'arrive, fils. Mon aide serait la bienvenue! Wesh! Calme-toi, Beyblade! Bien joué! Pas vrai, tu meurs là. Ok. J'ai trop voulu courir. J'ai pas eu le temps d'appuyer sur carré non plus, ça m'embête. Ok, on est reparti, hein ! Let's go. Écarte-toi ! Ok, merde. Ah, tu pis de blade. Derrière toi, regarde. Ok. Ma vie est nulle.
Je suis là. Hop. Oh, 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 grosse patate. Hop. Gros coup de drift. Hop. Oh, bien wesh. Oh là, des vraies patates. Voilà! Père et fils! Ça a marché? Zurt? Tu es là? Ok. Cet élément extraordinaire renferme la flamme éternelle dans des vents de tourbillon mystique. Par ici! Permet d'améliorer la lance. Tu as attaqué Asgard. J'attends l'appel. Génial. Tu as entendu? Nous n'aurons qu'à l'appeler avec le Galarorn quand nous serons prêts. Retournons à Muspelheim. On pourra y utiliser l'accès mystique. Ok. Mais le Ragnarok devait être à tout prix évité. Quel est l'intérêt d'Odin? C'est incroyable. Ça. On a le Ragnarok avec nous. Le plan de Surt. Il a marché. Je veux dire, les Valkyries ont posé problème, mais je suis sûr qu'Odin commence à s'inquiéter. Il sait qu'il va avoir affaire à nous. Ça sent la douille, hein. Ça sent la douille, hein. J'y crois moyen, moi, à toutes ces conneries, hein. Ça sent pas bon. Quand on y pense, on va arriver à Asgard et le Ragnarok va venir et tout détruire. Odin n'aura pas l'ombre d'une chance. On va gagner. Groa avait raison. Groa n'a pas su prédire ce que nous allions sacrifier en retour. Il ne voyait peut-être que les grandes lignes. Ça va marcher, en vrai. Il le faut. Où est la teuté là? Elle est restée là-bas? Putain, elle me manque déjà. Elle me manque déjà. Ok, c'est parti, les amis. Le Ragnarok est à... Le Ragnarok gagne en puissance. C'est quoi, hey, le Ragnarok? Regarde cette falaise. La secousse a dû être assez forte pour créer une corniche. Encore des hommes d'Odin. Ils viennent finir ce que les Valkyries ont commencé. À ta gauche. Derrière toi, regarde. Allez, hop, ça, déchiquetage, brisage de nuque. Oh, regarde. Dommage. Ok. Hop. Oh, 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 oh. Sabré en deux. Ok. Il en viendra d'autres. On doit sortir d'ici. Ouais, on doit sortir d'ici, totalement d'accord. Ici, père. On peut grimper pour rejoindre la porte. Ok. Allez, on y va. C'est incroyable tout ce qui se passe, les amis. Là, je pense qu'on va... On va enchaîner les bases. Ça va swinguer. Non, parce qu'il y a Thor, il y a Odin, il y a trop de monde. Tu n'as jamais eu d'allié comme le Ragnarok à tes côtés? Si. Et la créature ne garantit pas notre victoire. C'est vrai. Donc, le Ragnarok est une créature. Aïe, 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 aïe. C'est dommage que là, tu vois... Je suis censé avoir, avec un géant descendre, unifié mes lames, mais il n'y a pas de gain d'énergie de mes lames qui se voit directement, où on aurait pu tuer les Valkyries avec et tout. Ça aurait été exceptionnel en vrai, tu vois. Encore une secousse. Si ça continue, tout le royaume va s'effondrer. Ok. Allez, viens, Bibiche. Ah, au cas.
notre Zenaria. Derrière toi, regarde. Une fois, je te saccage la gueule. Derrière toi, regarde. Attention, tu as du vif frost sur toi. C'est rien ça, inquiète-toi. Oh, ça découpe. Hein. Voilà. Sabré en deux, j'ai gelé. Ok, on va passer par là. À ta droite. Vache. Allez, ça touche. Merde, les Zenériards vont continuer à nous attaquer sans relâche. Il faut qu'on s'en aille. Ouais, ouais, je taffe le bail. Je taffe le bail, mon fils. Je taffe le bail. Tu me dis rien. Le jeu est tellement beau, par contre. Je sais, tu me dis jamais rien, mais... Tellement beau. Là, c'est différent. J'espérais que cette vie de batailles incessantes serait terminée. J'espérais... que mon fils ne ferait jamais la guerre. À la suite. Ouais, tu l'as eu. Ok. On sent ce qu'ils sont pénibles. Le Ragnarok approche. Ils savent ce qui va arriver à Asgard. Vache. Hey, c'est bon, stop, je suis pas une salope. Voilà. Ok. Allez. Partons avant que d'autres choses nous tombent dessus. La porte est là, de l'autre côté de cette faille. Ok. Oh. Il y a un corbeau d'Odin là. Mon pote. Père, je sais que nous faisons ce qui est juste. Il faut que le Ragnarok ait lieu. Le tribut que nous avons payé pour cette guerre... Il ne fera que s'alourdir. Ça en vaut la peine. Comment ça, je l'avais pas vu? Mes frères, comment était-ce? Eh oui, j'ai fini par ne plus être d'aucune utilité à ce crétin de Van. Le Ragnarok attend notre appel. Tout comme les armées de Hel. Grâce à moi, surtout. Il semble que la guerre arrive enfin. Où allons-nous, mon frère? Nous avons du temps avant de rejoindre les autres temps. C'est peut-être notre dernière chance, père. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux finir? On va aller là. Juste pour voir si... Si les corbeaux que j'ai effectués peuvent me fournir d'autres choses, et puis voilà, hein, je pense qu'après on est parti. Hein. On est parti. Let's go pour la guerre, comme on dit dans le milieu, comme on dit dans la street. Ok. Ces lames ne sont peut-être pas d'ici, mais je m'en vais te les aiguiser, moi, tu vas voir. Ok. Oh la hache! Va fendre des têtes. Ok, ça prend le level. Les lames. Ah, ok, ça prend le level. Ok, ça prend le level. Ressemble à un
un cure-dent. On a presque tout au max hein, en vrai. Hein. Tu veux papoter un peu? Non, si, tu veux dire quoi, je sais pas. Salut, je voulais juste que vous sachiez une chose. Si l'un de vous a besoin de quoi que ce soit, je suis là. Enfin, ici, ou dans l'un des vieux ateliers de Brock et Sindri. Je sais qu'on passe tous une sale journée, mais j'aime me tenir occupée. Ok. Bon, les corbeaux, ça donne quoi, là? Nos esprits préservés, puis c'est de là. Ok. Un coffre, c'est pas mal. Des épaulières. Ah, d'accord. Ok. Ok. Ces mensonges, nous avons espionné. Un bon petit coco sur qui l'on peut compter. Dommage. On va essayer d'améliorer mes épaulières. Elles ont l'air assez ouf. Des poèmes de Gvasir, hein? Alors. C'est pas mon truc, mais bon, j'achète. Ça va. Ça a l'air pas mal. Wouhou ! Quelle classe ! Ça a l'air pas mal, ça. Donc, on a de la force. Brume de guérison à chaque cours ici. Ah, par contre, ça réduit drastiquement ma sophore. Hein. 42 tout 60. Par contre, défense 96, tout 50, tout 48 seulement. Et chance 42. Par contre, en runique. Waouh, c'est dur. Attends, cendre divine. D'où Jésus de Nazareth? Parfait. Vas-y, on va rester avec ça. Hein. On verra, advienne que pourra, comme on dit dans le milieu. Allez, c'est parti. Nous direction. Nous pouvons rester ici autant que tu le souhaites, mais nous devrons nous occuper d'un principal. C'est pas du tout ce qui m'attend. Ok. Ça fait peur. Ça fait peur. Qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce qu'ils vont redonner... Alors, nous y voilà. Le début de la fin. La fin d'Odin. Et ensuite, un nouveau départ pour nous tous. Atreus. Je sais. J'ai simplement hâte de voir tous les royaumes s'unir enfin pour lui tenir tête. Les elfes, les nains et elle en personne. Tu as l'air certain qu'ils s'uniront. Ils le doivent. Après tout ce qu'ils ont traversé. Ils le doivent. Pas vrai? Tu n'as rien besoin de faire à Midgard? Je veux dire, tant qu'on le peut encore? Freya et les autres sont encore en train de préparer l'assaut. Nous avons du temps. Là, ils sont clairement en train de nous dire « ça va chicoter, frérot, tu vois ?» Aïe, aïe, aïe! Ça va chicoter, oh! Il faut que j'aille où? Oh. Ok. C'est parti. Hop, là, il n'y a rien à faire. On va passer là. Au calme. Attends, c'est par où le chemin? Ok, c'est juste ici. Ensuite là. Ensuite là. Et ensuite, me semble-t-il, à droite. Superbe. Allez, viens, mon fils.
Il est temps d'aller botter des fions. Ok. Normalement, avec tout ce qu'on a fait, les amis, on est prêt pour la fin. Donc, on va voir un peu ce qui va se passer. Concernant les oracles de ton pays, dirais-tu qu'elles manipulaient les événements ? Avaient-elles leur propre motivation ? Je ne doute pas qu'elles agissaient avant tout dans leur intérêt. Mais d'après mon expérience, elles pouvaient aisément être trompées par leur propre prophétie. Les armées se sont sûrement rassemblées dans leurs royaumes respectifs, en attendant qu'on sonne le Galaran. J'espérais que certains d'entre eux seraient déjà ici. Quand toutes les tours des royaumes s'ouvriront une à une, tu les verras, petit. Odin n'en croira pas son œil. Non. Odin a eu l'éternité pour se préparer. Même si Groa l'a dupé, il a entendu la vérité sous les traits de Tyr. Ne le sous-estimez pas. Excellent discours, mon frère. Très motivant. Bah, il a pas tort. Ok. Waouh, les Valkyries ont l'air différentes. Bienvenue. Ildis Vini m'a raconté votre réussite. Nous nous sommes préparés en conséquence. Eh bien, que serait le Ragnarok sans Ragnarok ? Qui d'autre nous a rejoints ? Je vois les Valkyries. Elles sont même nées à nouveau. Matérielles et dépourvues de toute corruption, grâce à beaucoup de magie vanne. Elles sont des Skjaldmaux à présent. Génial. Et ton frère ? Il est là. Les elfes ont instauré une trêve pour s'unir contre Asgard. Nous aurons l'avantage dans les airs, et avec l'armée de Hel en avant-garde... Et Sindri, est-ce que les nains se battront ? Nous sommes sans nouvelles, mais il reste du temps. Et je pense que nous avons ce qu'il faut pour ouvrir la voie à la bête du Ragnarok. Après tout, dit comme ça, pourquoi est-ce qu'on s'inquiéterait ? Sigrun, comme il est bon de te voir si... vivante. Oh, oui. Je n'étais pas moi-même la dernière fois. Contente que tu sois sauf. Ma reine, les Skjaldmaux accompagneront les forces en provenance d'Alfheim, de Helheim et de Midgard. Nous nous tenons prêtes. Kratos, Atreus, Mimir, veuillez m'excuser. Oh. Eh bien, bonne nuit. Freya, as-tu trouvé comment quitter Asgard ? Si les tours permettent d'y entrer, espérons qu'elles permettent d'en sortir. Et si ce n'est pas le cas ? Nous savions tous où nous mettions les pieds. Il ne nous manque plus qu'une seule chose. Un chef. Cet honneur te revient. C'est ton droit légitime. Et tes troupes te respectent. Et tu as déjà affronté cet ennemi par le passé. J'ai tenu son armée d'invasion en échec. Aujourd'hui, nous sommes les envahisseurs, et nous assiégeons son territoire. Je veux notre général le plus expérimenté aux commandes. Je n'ai que faire des honneurs, des prophéties et des champions. Seule la victoire m'importe. Freya. Je sais ce que je te demande. Essaie d'y réfléchir. Nous y voilà. Kratos, ta tente est sur la droite. Atreus, la tienne est à gauche. La mienne ? Tu ne penses pas qu'un jeune guerrier mérite son propre espace ? Si. Oh. Merci. Pense à ce dont nous avons parlé. Tu me donneras ta décision demain matin. Les royaumes en guerre commencés. Ok. Se reposer. Eh ben écoutez les amis, on va s'arrêter là. À partir du moment où on s'est reposé, le Ragnarok, je pense, va commencer. Et donc la grande guerre. Et donc on approche de la fin du jeu. Les amis, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire. J'espère que cet épisode vous a plu. A très bientôt pour la suite et probablement on se dirige vers la fin encore une fois de notre aventure. Bisous tout le monde. Bye bye.